Bienvenue à Caloundra, dans le Queensland, en Australie, à la rencontre de Ryan Williams, le pro de la trottinette freestyle. Il a les bonnes idées, il a les bonnes opportunités, en plus de ça, il a la bonne technique, quoi. Et du coup, tout ce petit mix, ça fait vraiment le rider qu'il est, et il progresse continuellement, et il devient vraiment super fort, quoi. Et c'est sans doute grâce à lui, entre autres, que la trottinette n'est plus seulement l'apanage des marmots, ou des citadins pressés, ou peut-être flemmards. Les gens commencent à réaliser que la trotte, c'est pas que pour les gamins. Il fait surtout avancer la trotte et l'image de la trotte dans le monde entier. Il est bon dans tout ce qu'il fait. Il n'y a pas quelque chose dans lequel il n'excelle pas. Il apprend les choses très rapidement. Il est vraiment très bon. Nouvelle recrue de la Dream Team du Nitro Circus depuis 4 ans maintenant, Ryan, 20 ans, est aujourd'hui le boss de la planète trotte. Le roi des tricks, le seigneur des premières mondiales. Double front flip, cash roll, front flip inward, brief flip, 1440 spins, la liste est longue comme le bras, la jambe même. Remarquez, à 15 ans déjà, il entrait dans la légende en replaquant face caméra le tout premier Faki front flip made in trot. Acteurs de leur propre rôle, les riders aujourd'hui soignent leur image dans des vidéos toujours plus folles et plus léchées. Et avec pas moins de 6 millions de vues sur YouTube, juste pour celle de Ryan par exemple, ça vaut bien quelques gadins comme sur ce spot à Brisbane. Nous y voilà. C'est la rampe sur laquelle je vais essayer de faire un 270 backflip. Espérons que je vais l'avoir, du premier coup. Voilà, on a fini avec la rampe. J'ai réussi à faire le tricks après 6 essais. Je m'en suis pas trop mal sorti et en plus on a pu tourner le plan. Donc c'est cool, je suis content. Retour à Caloundra, chez Ryan ou plutôt chez sa maman. Salut, c'est l'heure du petit-déj là. Donc je vais terminer et après je suis à vous. Voilà mon chien drift, un vrai chien d'attaque. Non, pas de Coco Pops pour toi, mon gars. Grandes chaussettes, culottes courtes et Coco Pops, à 20 ans, Ryan n'a pas encore tout à fait pénétré le monde adulte. Ça fait vraiment partie de ma vie de tous les jours. Je suis tout le temps sur mon téléphone. Ça craint. Mais bon, j'ai envie de faire plaisir à mes fans. Et ses fans, il les gâte en postant toujours plus de vidéos sur le web, témoignages filmés de son incroyable évolution et d'une fulgurante révolution, la trotte a bel et bien pénétré le monde fabuleux des sports extrêmes. Il y a 3 ans, j'ai posté une vidéo qui s'appelle Ryan Williams Web Edit 2. Et elle a atteint plus de 2 600 000 vues sur Internet. Et depuis que j'ai sorti cette vidéo, je m'arrache la tête sur ma vidéo 3. Je veux vraiment qu'on me voie au sommet de mon art. Cette vidéo que je vais faire doit être la meilleure vidéo que j'ai jamais faite. Ça fait 3 ans que je bosse dessus et je pense avoir, disons, la moitié des plans. Juste parce que je suis beaucoup sur le Nitro Circus, j'ai pas vraiment eu le temps. Mais pour l'instant, la plupart des clips que j'ai sont bien, mieux que ceux de ma vidéo 2. On devrait aller au skatepark du coin.
où je m'entraîne tous les jours. Let's go. Allez, on y va. Not you, Drift. Non, pas toi, Drift. Tu restes là. Vous avez pas encore vu ma voiture? C'est ma voiture depuis 3 ans. Elle m'a été donnée par mon sponsor MJP Action Sports. J'ai une voiture de fonction pour faire de la trotte. J'ai un téléphone de fonction pour faire de la trotte. C'est plutôt pas mal de faire de la trottinette. Dans ma voiture, il y a vraiment, vraiment beaucoup de secousses. Parce qu'il y a des suspensions à air et l'une d'elles est cassée. Donc en fait, c'est comme s'il n'y avait aucune suspension à l'arrière. C'est pour ça qu'il y a autant de secousses. Comme vous pouvez le voir. Vous n'avez même pas besoin de danser. Il suffit de se laisser porter par les secousses et elles vous feront danser. Et voilà, c'est mon skatepark, relié directement à une piscine. C'est gratuit pour moi, c'est cool. Bientôt, j'aurai mon portrait grandeur nature, juste à côté d'elle. C'est mon espoir, mon but, mon rêve. Ça serait la classe. Enfin voilà, voici ma maison, mon skatepark. Calandra Skatepark. Et aujourd'hui, Ryan prépare sa nouvelle apparition en vidéo. L'un des tricks que je prépare pour ma vidéo, c'est un 270 backflip. On arrive de dos sur la rampe, on fait un 270, on atterrit sur la rampe, on ride en arrière, et arrivé à la fin, on se retourne. Et t'espères atterrir sur les pieds, sur la planche, sur les roues, ou malheureusement sur la tête. Là, je m'entraîne. Je fais ça sur un jeu de BMX. Je fais des tricks incroyables là-dessus. Et après, je vais au skatepark voir si c'est faisable. Ryan est extrêmement motivé. Il s'obstine à faire les tricks le mieux possible. Et s'il n'y arrive pas, il continue d'essayer jusqu'à ce que ce soit parfait. Il est très déterminé. Si j'arrive à retomber sur mes pieds, je suis vraiment content. Mais si j'y arrive pas, je réessaye jusqu'à ce que ça marche. On est au Rampatak Skatepark. On va aller se faire une petite session. Essayer des nouveaux tricks. C'est parti. C'est clair que quand il a un trick dans la tête, Ryan ne l'a pas ailleurs. Il en veut le garçon. Il enchaîne et réenchaîne encore, quitte à se faire mal, pour enfin replaquer le tricks de la mort. Une demi-heure. Ça valait le coup. Les tricks qui m'ont rendu célèbre, c'est surtout ma toute première mondiale au Nitro Circus. J'avais fait un double front flip. C'était mon premier show. Il y avait cette rampe énorme. On m'a dit, si tu veux le faire, vas-y. Je n'avais qu'un essai pour réussir ce double front flip. C'était la première fois qu'on le faisait en trottinette. Et Travis Pastrana, la star du Nitro Circus, il était scotché. Et c'est grâce à ça que j'ai pu continuer à faire le Nitro Circus. C'est cette nuit-là, grâce à mon tricks. J'en reviens toujours pas qu'il ait été choisi pour le Nitro Circus. Être avec Matt Gear et son sponsor qui l'emmène partout autour du monde, c'est fou.
Il est toujours resté lui-même, il n'a pas changé depuis. Il est toujours le même Ryan depuis qu'il est pro. Il encourage les autres gamins à rider, à être sportifs et à être actifs. Pour moi, ce qu'il y a de mieux dans la vie d'un rider, c'est la sensation quand tu plaques une première mondiale. 7 milliards de personnes dans le monde et tu te dis que tu es le seul à l'avoir fait. C'est vraiment un sentiment incroyable. Avant d'être un trotty rider, Ryan est d'abord un rider, et un rider super complet, capable d'envoyer sans ou avec des pédales. La preuve, lors de ce show du Nitro Circus, l'Australien se paye le luxe d'envoyer un 720 front flip en BMX cette fois. Ryan est l'exemple parfait de la nouvelle garde des riders de l'extrême, de véritables couteaux suisses made in Gliss.